do. That's right. Hey tout le monde, c'est Soucy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'allais dire vidéo test, non, vidéo commentée, donc partie 3 du Let's Play de The Order 1886. Donc, on va continuer cette aventure, et on va partir tout de suite. C'est parti, c'est parti. Ah, que se passe-t-il? Bon, ça gueule un petit peu là, je suis désolé. Encore une fois, c'est un let's play où je vais pas parler beaucoup. She's dead because of you. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Non. Aïe, aïe, aïe. Bravo, monsieur. Didn't care to dirty your aristocratic hands. J'aime. On peut pas parler à la meuf. Ah, c'est pas drôle. Ah, mais si, elle est là. Voilà, c'est bien ça. It's all right. There's no need to be afraid. How could I have known he was the Ripper? He was just another bloke. He killed another one last night. I didn't know. Leave her be, monsieur. I didn't know. Shot. Don't worry. You're safe now. Alors Jack the Ripper, en gros, il est toujours là. Je pensais que c'était fini, c'était juste une référence au début quand ils en parlaient, quand le commissionnaire, quand le, comme, le, comment on appelle ça, commissionnaire, c'est commissaire tout simplement. Quand le commissaire il en parlait au début, il a parlé de Jack the Ripper, mais je pensais que c'était une petite référence comme ça. Et en fait, on peut-être le voir alors. Hein, c'est intéressant parce que dans Assassin's Creed Victory, qui sera ce qui se passera dans la même époque à peu près, en fin d'année. On aura aussi Jack the Ripper, donc ce sera intéressant de voir comment les deux licences le traitent. Ouais, ok, on devrait aller par là. Ben, on va déjà fouiller un petit peu. Puisque, encore une fois, on va tout fouiller dans ce jeu. Enfin, on va essayer. On va essayer de voir un petit peu. Ici, il y a un truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Un journal. Assaut. Ah, mais c'est ça le souci, c'est que là, on voit pas le titre en fait. Ils sont bien gentils avec leur barre, mais c'est un peu chiant. Assault on Mayfair. Ouais, en gros, ça parle de l'assaut de d'hier, j'imagine. Enfin, d'hier dans le jeu. Du début, quoi. Je suppose. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Hein. Encore une fois, on met pause si on a envie de regarder. Donc nous, on va tout simplement continuer avec Lafayette. Lafayette que je trouve bien modélisé, j'aime bien son style. Et puis, bon, je vous ai déjà parlé du fait que j'aime bien les personnages, mais... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Ok. Il faut que je fasse ça, que je tourne le truc. Non? Oh putain. Pourquoi je sens que je comprends rien du tout? Ok. D'accord, apparemment j'ai réussi celui-là. Ouais, ok, je crois que j'ai compris à peu près. Ah, j'ai pas réussi celui-là. Quoi, c'est pas ça là? Je sais pas s'il faut que je fasse quelque chose avec le stick gauche en fait. Non, c'est bon. Ça m'a l'air d'être bon. J'aime bien le petit... Bon, les lockpicks, c'est toujours un peu compliqué de faire un bon lockpick dans un jeu vidéo. Mais bon, on va dire que ça va. Oh là là, je sais pas, il y a un charme. Un charme de fou. C'est vraiment cool. Allez, c'est parti, on continue. J'entends de la musique. Serait-ce le truc de courtoisie qu'on a vu tout à l'heure? Oi! There's no weapons allowed in the establishment. You want to stay, you leave it here. Bien sûr, monsieur. As a matter of fact, we were just looking for the coat closet. Give it here. And have fun, governor. At ease, monsieur. A quick reconnaissance of the premises seems imperative. Le gars, il est juste là pour... là, pour parler aux meufs. Alors, derrière la boîte du jeu, vous savez, il y a les Peggy...
Donc violence, etc. Enfin tout ce que ça dit. Et il y a aussi sexe dedans. Alors à mon avis, je suppose que dans ce genre d'endroit, il sera possible de faire Zelda. pas mal. Allez, on vous la laisse celle-là, Radiant Dawn. Comment dire? Ah, je sais plus ce que je disais du coup. Bon bref, il est possible qu'il y ait des trucs pas très catholiques dans ce genre d'endroit. Déjà, ah bah voilà, ouais. Ok. C'est déjà un poil explicite. Vite fait. On va voir si ça va plus loin ou pas. Genre, il y a un bain là-bas. Bah oui. Bah oui, je veux bien. Ta gueule. Comment il s'appelle? Faut que je me souvienne de son prénom. Galahad. Galahad, voilà. Galahad, t'es un connard. J'ai dit oui, moi, je veux y aller. Je crois qu'il veut pas que j'y aille. Je vais aller en bas voir. Oui, il y a une baignoire là, c'est quoi cette histoire? Quoi, on peut jouer? The Ravens of London. They're getting organized. D'accord. Donc ça, c'est les corbeaux de Londres. Je suppose que c'est une sorte d'organisation. Ou c'est peut-être eux, les rebelles, je sais pas du tout. Pourquoi il y a une baignoire là? Ok, c'est pas grave. C'est genre un show un peu bizarre. On va dire que c'est pas grave. Hop. On va tout simplement continuer à avancer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh putain. Alors, j'ai beau savoir lire l'anglais, ça va être un peu compliqué, là. Je pense que même en mettant pause, c'est pas forcément le top. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Et puis Lafayette qui est en train de... qui est en train de se la péter là-bas après, avec la dame. Bon, on va aller les interrompre, hein. On peut pas boire un coup? Pas en service. Je crois qu'on va trouver, à chaque partie du display, on va trouver le moyen de le caser, celui-là. Bon, bah écoutez, on va les interrompre. Marky, this is no time for sport. Ah oui. We have to find a way out of here quickly. Genre, il nous voit pas, tu sais. I have just a thing, monsieur. If one of you ladies would reach into my pocket... Give it here, love. Is it sufficient, monsieur? More than sufficient, I'd say. Upstairs, then, if you please. Mais avec plaisir. C'est parti. Hop. Oh là là, c'est joli. Si joli. Oh oh. Oh oh. J'aime bien cet endroit. Ah merde. Oi. Here. What are you up to? You're in the wrong room. Where's the little frog gone? He's in there. With his friend. Oi. Get out of there. Oi. Hello? Oh, excellent. Ah, c'est génial. Ah, mais c'est pour ça que c'est moins de... Enfin, comment dire, qui a marqué sexe sur la boîte. Toutes mes excuses, madame. Ça, j'aime ce genre de... Comment? Les gars se permettent de tout, quoi. Enfin, je veux dire... c'est tout con, mais... Bah attends, on va attendre qu'il parle. Non, c'est bon. Dans les films et dans les jeux vidéo, c'est la même chose. Toujours montrer le sexe d'un homme, c'est genre... je dis, c'est... À chaque fois, ça se fait jamais, quoi. Ça se fait jamais parce que, je sais pas, il y a une sorte de retenue. Alors que les femmes, là, y a pas de souci. Ça, on en voit de tous les côtés. Mais du coup, dans le jeu vidéo, c'est pareil que dans le cinéma, c'est assez rare qu'ils prennent le risque. Et pourtant, c'est tout con, enfin, je veux dire, enfin, voilà, quoi. C'est pas... c'est vraiment... Enfin, c'est rien, mais bon. C'est de l'éthique, on va dire ça comme ça. Du coup, là, bon, c'est cool que... Comme on est dans une maison close, etc.,
Ça me paraissait plutôt logique. Et donc voilà. Ça, c'est juste pour pointer le fait qu'ils ont pris le risque et que ça fait plaisir. Enfin, plaisir. Je n'ai pas forcément apprécié voir ce monsieur à poil, mais bon, on va dire que le risque est appréciable. On va dire ça comme ça. Cette conversation devient un peu gênante. on va s'arrêter là et on va continuer à marcher sur les toits de Londres. Et franchement, c'est très joli. Il y a toujours ce grain, hein, encore une fois, regardez-moi, c'est surtout là-bas, là au fond, le grain qui est... Enfin, j'ai regardé en fait sur la vidéo comment ça rendait, et vous ne voyez pas, je pense, le grain en fait. C'est beaucoup trop fin pour que vous le voyez en vidéo. Peut-être que si vous agrandissez au max, vous le voyez, je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin bref, de toute façon, voilà. C'était juste histoire de dire, alors par contre là... Ah oui, carrément. Ah d'accord, je pensais pas qu'il sauterait en fait. Vas-y, tu peux le faire. Ok. Ah, pas mal, on voit des gens comploter là. Ok. We have intruders. Get your weapon. Let's go. Ah merde. Lafayette. Chut. Ah là là. Bon bah écoutez, on va essayer de pas se faire tuer. N'empêche, ça m'a surpris quand même. Le premier combat des Lycans est arrivé assez vite et était assez dur. Et ça promet. Enfin, j'aime bien. Enfin, ça varie quoi. C'est plutôt cool. Hop. J'aime beaucoup encore une fois l'ambiance. C'est quoi qui est en face là? Looks like we've stirred the nest. Ah merde. C'est embêtant. Faut passer où là? Je suis paumé. Ah, ça doit être là. C'est parti. J'essaye de fouiller, mais là le truc c'est que c'est. Y a pas vraiment de quoi fouiller en fait. Oh là là. C'est vraiment crédible et tout, c'est super sympa. Ouais. Ok. C'est intéressant de. Oh putain, hey, les gars. On arrête. C'est intéressant de contrôler un personnage qui est expertisé. Non, on peut pas dire ça comme ça. Je confonds vraiment l'anglais et le français maintenant. Qui est. Comment on peut dire? Attendez, c'est quoi ça? Il y avait un petit micro. Ah, ça contient un audio message. Ah! Audio message. Comment on fait? Archive. Ah, c'est nul par contre. Pour l'écouter, on peut pas l'écouter en plein jeu. On est obligé de l'écouter dessus. Ouais, bah on va pas le faire en vidéo parce que je sais qu'il y en a qui aimeront pas. Voilà, encore une fois, si vous avez envie de dire, vous mettez pause. Du coup, on l'entendra pas, mais. Ça, c'est chiant ça. Oui. Ça, c'est chiant quand dans les jeux, ils font. Tu peux pas quitter le message sans que ça quitte la voix en même temps. Enfin, c'est un peu bête. Qu'est-ce que je disais sinon, moi? Je parlais de. Je sais même plus. Bon, vous savez quoi, on s'en fout. Ça devait pas être important. Et du coup, c'est pas grave, on va dire. On peut aller à gauche, du coup, maintenant. Mais à droite, moi, j'ai envie d'aller. Ah oui, voilà, si c'est ça, je m'en souviens. C'est intéressant, le fait qu'on contrôle un personnage expérimenté, voilà, et qu'on ne soit pas, comme dans la plupart des jeux vidéo, quand ça commence, quand une licence commence, on est un petit peu le gars, le nouveau venu, etc. Et là c'est plutôt cool à ce niveau-là. Ça varie, enfin, ça change. Ok, qu'est-ce qu'on va voir, là? Genre, on peut débloquer des trucs, ou ça se passe comment? Ok. Ah d'accord, c'est un autre truc audio. Ouais. Ouais, mais du coup, on va pas les écouter, hein, je suis désolé. Ah ok, c'est rond pour descendre. Mais je suppose que je peux pas descendre dans la rue, en fait. C'est moche, ça. Enfin, ça se trouve, je peux... Attendez, on va essayer de voir. Je comprends pas trop comment il se trimballe, là. Hop. Voilà. La caméra est vraiment super bien placée, je trouve. Ça rend, ça fait extrêmement cinématographique. C'est vraiment bien foutu. Bon, du coup, on peut pas aller dans la rue. Donc, on va juste se contenter de grimper dans la fenêtre. Allez, tu peux le faire. Ok. Et ici, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, je pense. Ah, oups. Non.
long for nights. Damn nights. C'est quoi ce flingue? Ok. Comment on fait pour les tuer discrètement? C'est ma question. Il parle de quoi là? Ah. Il se demande s'il doit aller chercher de l'aide ou pas. Vous savez quoi? On va les tuer parce que j'aime pas leur conversation. Et voilà. C'est fait. Ok, donc là on a une sorte de flingue qui tire deux balles à la fois. De quoi? Ok, donc là on va à un hôpital et il faut trouver un autre moyen pour y aller. On va prendre des balles. Mais moi j'aimerais bien avoir le flingue de Nicolas là. Avec le fusil avec le viseur qu'il nous avait montré au début là. C'est ça que je veux. Genre il nous le montre mais on n'a pas le droit de le prendre. C'est... Ça sert à quoi? C'est débile. Ok, bon, je pense qu'ici on est bien. Truc à fouiller là. C'est bien, tant mieux pour toi. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est soit mon fusil, soit la mitraillette. Bon, vous me connaissez, hein. Prendre la mitraillette. On va prendre aussi les grenades. C'est quoi ça? C'est le même fusil ou... carabine. Vous savez quoi? Non, en fait, on va prendre la carabine parce que concrètement, c'est précis et tout, c'est bien. Hop, voilà. On va garder ça. Et on va y aller. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'accord. On va sauter. Ok, ça va là. Franchement, les réflexions, waouh. Et le jour où on se verra enfin dans les réflexions, ça, je sais pas quand ce sera, mais... Mais bon, ça arrivera pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, tu me fermes la porte comme ça, toi. Ah, t'es comme ça. Ah, d'accord. Alors là, je sens que là-bas, ça va être la merde. On va essayer vite fait de... Non, on peut pas. De rentrer dans les maisons. Je peux pas casser sa porte à lui, là. Genre, il m'a fermé la porte au nez, tu sais. C'est pas grave. Oh, putain. Ok. Trop facile, hein. Ça va, Lafayette, il parle... J'allais dire, tu vois. Lafayette, il parle bien français, quand même. Je sais pas si c'est un français ou pas qu'il a fait, je crois pas, parce que la première à un moment donné, il a parlé longtemps français. Oui. Et comment dire, ta gueule. Il parlait bien français, mais quand il a fait une longue phrase, au bout de la fin, on sentait qu'il avait un petit accent. Mais en tout cas, il parle bien français, donc c'est bien. Mais alors l'autre, Perceval, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout. Mais bon, tant que Lafayette, il parle bien français, ça va, parce que Lafayette, hein... Il est français, donc donc bon, s'il commence à pas parler bien, ça fait pas trop. Mais remarquez, c'est un peu le cas dans tous les jeux où il est là. Enfin, tous les jeux, il y en a pas non plus des masses. Bon les gars, il faut arrêter de se connecter comme ça. Hein. Bon moi, il faudrait que j'enlève aussi une notification, je dois vous avouer. Mais bon. Look, monsieur. God did not save this queen. Ouch. Mais attends, mais c'est le fusil de Nicolas, ça. Mais, depuis quand Nicolas... Qu'est-ce qu'il fait Nicolas? Ah oui! Ah oui! D'accord. On va éviter. Par contre, comment je me soigne du coup? Putain, mais... T'es sérieux là? Moi, je vais te niquer, moi, toi. Hein. Ouh, il va mourir. Allez, tiens. Ok, on va se concentrer. Ouais, c'est bizarre. Je comprends pas. Est-ce que c'est un M1 40 que j'ai dans les mains? Non, je crois pas. C'est pas inventé à cette époque là. Enfin, quoi qu'avec ce jeu, on sait pas trop en fait. Hop. Bon, moi le son est très fort dans mon casque hein, parce que j'ai pas envie de louper de son ou genre de truc comme c'est la première fois que je fais le jeu. Mais donc c'est pour ça que des fois je parle peut-être un peu fort. Putain, mais il y a encore un snipe. Je fous de ma gueule là. Là j'ai mal. Là j'ai mal. J'ai eu. Non, mais non. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis passé dessus. J'ai pas ma capacité spéciale là ou je sais pas quoi. Apparemment pas. Allez. Ok. Toi t'es mort. Ok. Et qui c'est qui est d'autre? Il y a lui. Ok.
Je pense qu'on est bon là. Non? C'est bon ou pas? Dites-moi. J'ai l'impression que la musique elle s'arrête pas donc. Non mais attends. Moi je peux pas faire les deux. Je pense que si je vais dans la rue, il va prendre l'escalier. Et si je vais dans l'escalier, il prend la rue. Bon bah je vais dans l'escalier parce que c'est plus sympathique à l'intérieur. On va aller voir. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose ici. Là c'était où il y avait les snipers, alors j'espère que je vais prendre son arme. Ah voilà, Marksman carabine. Bah oui mais voilà, c'est le sniper de... Bah oui, c'est le sniper de... qui nous a fait là, de... comment il s'appelle, Nicolas. Mais du coup Nicolas, qu'est-ce qu'il fait là? Il vend les armes aux autres ou... C'est quoi le délire là? Ça va pas aller hein, il va falloir qu'on lui parle en rentrant là. Je trouve il fait partie des rebelles ou je sais pas quoi. J'espère pas. Par contre, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris le sniper. Quoique peut-être en fait. Attends! Aïe. J'ai mal. On va recharger. Tiens. Attends, je fais un petit headshot. Putain, mais avec la latence, c'est un peu chaud quand même. Ok. Vas-y, recharge. Oh putain, j'ai cru que c'était un ennemi. Ok. On se concentre. On continue. Je vais garder mon snipe. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah ouais, ouais, ouais. Me dis pas qu'il veut pas, il peut pas passer en dessous parce que je rigole. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça me dérange pas, hein, genre de petit truc. Mais bon, au moins qu'il cache le dessous, tu sais, que ça fasse pas genre tu peux glisser et puis tu passes, quoi. C'est pas grave. Ça n'est pas grave. Allez, descends. On va sauter alors. Ok. Quoi? Attendez. Hein? Derrière moi ou devant? Derrière moi il y a quelque chose? Non, avec lui. Hein. Ok. Où sont les ennemis? Bon, lui, Lafayette, il est chaud là. Je vais le laisser aller s'amuser. Nous, on va essayer de fouiller un petit peu. Regardez-moi ça. Genre, tu peux pas passer là, tu sais. Non, c'est pas grave. On va essayer de se concentrer. Ah, il y avait une grenade fumée là. Ici. Mais c'est moi, il y a du monde quand même là. Ah ouais, il y en a un petit peu. Hein. Ça va être chaud. Mais vas-y. Merci. Cache-toi. Ok. On va essayer de lancer quelques fumées là. Hop. Ah là, je sais pas à quoi ça va servir, mais ça va servir à quelque chose. Ok. Aïe 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 aïe. J'aime bien le feeling du fusil de sniper. Mais là, ils font chier là. Putain! Encore une fois, j'ai une petite latence, hein, donc. Ah! Tiens donc! Ils sont de retour ceux-là. Ah là là, bah oui. Hein. Le baril rouge. Ah putain, bon j'ai plus de balles par contre. Ça risque d'être embêtant. Ah, il y a un fusil là. Ok. Fusil c'est bien. Ah bah il y a un autre fusil de sniper, bah c'est parfait ça. Hop, ah je peux récupérer des balles du coup. Oh, oh, oh. Ah ouais. Ah c'est comme ça. Pourquoi je suis à terre? C'est Gears of War. Hein? Quoi? Tu es mort? Ah, c'est ça le Blackwater. En fait, on a la petite fiole qu'on a, c'est Blackwater. Ça s'appelle du Blackwater et c'est en gros de l'eau noire et ça nous revive, je crois. Je crois que c'est ça. Après, je dis peut-être de la merde, mais. Mais du coup, on peut être à terre comme ça, je savais pas. Je ne savais pas. Understood, Monkey. Ok, moi bon, je vais combattre d'ici. En fait, ici c'est peut-être mieux. Ah, mais il y a des barils partout. Ah, d'accord, mais j'avais pas vu les barils, ça. Ok. On va essayer de bien se débrouiller. Alors,
Je vérifie si tout marche bien, ouais. Ce serait con que j'enregistre et que ça marche pas. Tiens donc. Ah, c'est lui le shotgun, faut le tuer. Il y en a encore un. Oh, 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 oh. Calmez-vous. Faut pas qu'il arrive jusqu'à moi parce que sinon je suis dans la caca. Attends, je vais sortir le flingue parce que là. Là, je vois rien devant ce. Ah, j'ai plus de balles là. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est quoi? C'est une grenade frag? On va voir. Ouais, c'est une grenade frag. Ouais. Pourquoi pas? Ça fait pas énormément, mais. Mais pourquoi pas? Ah putain. Je suis nul. Voilà. Ah putain. Ah, il recharge. Ok, ok. Concentrons-nous. J'ai plus de vie. À l'occasion. Ok. Putain, mais il y en a du monde là-haut. Me dis pas qu'ils arrivent à l'infini, parce que là sinon c'est moche. Hein. Ça, ça se fait plus. Hein. Ah, mais j'ai encore une grenade. Ah oui, d'accord. Genre, il y a de la suppression et tout. Il faudrait que je prenne un flingue parce que là, le souci c'est que. Prends le flingue. Il n'y a pas de flingue là, non. Bon, c'est pas grave. Oh putain, merde. Ok, prends ça. Foiré. Tu sais quoi, je vais prendre le fusil parce que là le souci c'est que. On peut pas se mettre à accroupi, non. Ou alors, ouais, non, je vais garder le snipe quand même parce que ça fait pas mal de dégâts. Mais le souci c'est que. C'est que le snipe, je vois rien avec. Wow, voilà. Voilà, ce genre de truc. Ok. Putain, le corps à corps, heureusement qu'il est efficace. On va se reconcentrer un petit peu. C'est bon là. Oh. Oh non! Comment ça, grenadier? Ça veut dire genre il balance des grenades? Toi tu meurs. Merde. Ok. Ok. Allez. J'aime bien quand on recharge, des fois le mec il dit merde en anglais, ou enfin, mais très très doucement quoi. C'est, ça fait tout paraît vachement crédible en fait. Ça fait très vrai. Ça qui est bien. Toi tu meurs. J'aimerais bien voir, tiens, sur les corps ennemis et morts, est-ce qu'il y a de la physique? Ah bien bien, il y a de la physique. Ça c'est bien. Je sais pas si vous avez vu ça. Oh putain, la grenade. J'avais pas vu. Ça veut dire que bah, y avait du sang tout simplement sur le corps quand je tirais dessus, même quand il est mort. C'est un petit détail, hein, mais j'aime bien regarder les petits détails. Parce que c'est souvent que c'est pas le cas. On va essayer. Oh, salut! Tiens, mange. T'as quoi comme arme, toi? Bon, je vais pas lâcher le snipe pour l'instant. Oh, salut! Ah, il utilise l'environnement! Intéressant, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Par contre, ça j'aime moins. Concrètement, hop, heureusement qu'il y a des balles ici à l'infini. Enfin, à l'infini, je sais pas, mais en tout cas, il y en a pas mal. L'enregistrement qui s'arrête en même temps, ça ne va pas le faire. La grenade, j'ai failli me la prendre, mais j'ai pas l'impression qu'elle fasse tant de dégâts que ça. En même temps, 1886, hein, donc ça me paraît plutôt logique. Même si, encore une fois, voilà, genre ils ont des grenades IEM, enfin des objets IEM à cette époque. Donc voilà. On peut s'attendre à tout avec le jeu. Bon, par contre, il m'énerve là. Qui c'est qui me tire dessus? Aïe. Cachons-nous. Je ne sais pas où ils sont, mais c'est moi ou genre ils arrivent à l'infini là? J'ai peur. J'ai quoi? Je vais descendre. Parce que là, au bout d'un moment. Ils sont gentils, mais. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, merci. Oui. Tout à fait. Ok, j'ai pris des balles, nickel. J'arrive. Je recharge. C'est quoi ça? Fusil.
Non, en fait, je voulais pas. Non, quitte. Si je fais B. B. Non, ok, bon. J'espère que je pourrai retourner en arrière parce que j'ai pas visité en fait la zone. Ah oui, si je pense, oui, après faut monter. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Je vais aller fouiller un petit peu, vite fait. Histoire de voir. Parce que ça se trouve. Ah, tiens, ça j'aime ce flingue là. Je peux le prendre ou pas? Ok. Comment on recharge déjà? Ouais, non, c'est pas cette touche là. On peut pas en fait là. Je sais pas pourquoi on est en mode passif. Pacifique plutôt. Là je peux là? Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. On va retourner vers Lafayette et puis on va y aller. Hop. C'était pas mal cette petite grosse séquence d'action parce que du coup depuis le début du jeu on n'a pas eu une aussi grosse je pense. Et ça va, j'aime bien. C'est très, encore une fois je le compare à Gears of War, mais c'est vraiment très Gears of War. Mais c'est pas du tout un mal, moi j'aime bien. C'est du cover and shoot quoi, hein. Mettez à couvert et vous tirez. Mais je sais pas, ça marche. Enfin pour l'instant en tout cas. Est-ce qu'on va... Non, je pense que c'est par ici là. Je pense que c'est... Ah merde, la télé. Non. La télé va s'éteindre. Plus maintenant. Hop. On est de retour dans le jeu et on a passé 2 secondes. Alors c'est quoi ça? Je peux pas voir le titre. Et bien sûr, ça c'est vraiment chiant ça. À cause de ces barres de merde, on peut pas voir les titres des trucs. D'accord, ok, bon j'avoue le titre là était pas très intéressant. Mais quand même. Ah. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien. J'aime bien les affiches de jeu. Enfin les petits trucs qu'il y a ramassés comme ça puis regarder. C'est plutôt sympathique. Non, apparemment c'est pas par là. Bah, c'est par où? Non. Bon. Alors c'était pas censé venir ici peut-être? Peut-être qu'il faut que je saute. Non. D'accord. Ah, faut que j'aille carrément sur les toits. Ah oui, d'accord, ok. Ok, pas de soucis. Au moins on a fouillé un petit peu, hein, c'est bien. Allez. Grimpons. Ah, quand on regarde le ciel. Ah non, putain. Pile quand je vais regarder le ciel. Cinématique. Percival. Percival, do you read me? Save your breath, monsieur. The buildings are blocking the signal. The curse of progress. Hand me your monocular. Ah oui. Vive la jumelle. I can see our target. The hospital is 2 miles west. Ouais. Do you see our comrades? What? Not yet. Faut que je fasse quoi là? Ok, Percival and Ingrain. Ouais. Alors ça, moi je veux bien. Ah, ça doit être là. There. It must be them. Bah oui, il y a de l'électricité. Shall we join the soirée? Let's invite a few friends, shall we? Air Command, this is Galahad. I need response from anyone in the vicinity of Whitechapel. Air Command, this is Galahad. Think, monsieur. You copy? We are without sanction here. The Lord Chancellor will be most displeased. Lafayette does not fancy a court martial. We'll worry about that later. Sir Galahad, this is Sentinel 5. We are 3 leagues northeast of Whitechapel. Please state directives. Sentinel 5, this is Galahad. We require air support on standby. Acknowledged, Sir Galahad. We are signaling blue-red at a 1 second interval. We request your visual confirmation for heading change. D'accord, donc là, on a appelé les... On a appelé les... Enfin, de l'aide qui vient de l'air. Voilà, eux. Alors, use monocular... That... Attends, je dois faire du morse, là? Ah, c'est stylé! Ah, mais faut taper dessus. Ah, merde, putain. Ah oui, d'accord, faut faire du morse, carrément. Je m'attendais à ce qu'on le fasse avec les... Ok.
Monsieur. Sir Galahad, this is Sentinel 5. We have visual confirmation of your position. Okay. Let it change to 224 degrees. En fait, fallait faire du morse avec le pavé tactile. Acknowledge Sentinel 5. Await further orders at location. Let's go. Ok. Mais je voulais regarder le ciel avant que tu sautes, non? Si. Tu me laisses? Ouais. Bah ça fait pas le même effet que tout à l'heure. comment dire? Donc là, on va aider nos amis Perceval et la fille. En fait, je connais le nom maintenant, Galahad. Bon, Lafayette, je connaissais déjà, bien sûr. Perceval, ça va. Maintenant, celui qu'il faut que je retienne, c'est celui de la fille. Ygred, ou je sais pas quoi, là, je sais plus trop son nom. Donc il faut qu'on retienne ça. C'est la mission de ce let's play. Et puis ensuite, on sera bon. After you. Bah vas-y, t'es gentil. Toi. Ah, ça, je l'avais déjà vu. C'est une des premières vidéos de gameplay qu'on a eu, ça. Ah bah bien. Bah vas-y. Et donc là, Lafayette, il voulait pas qu'on appelle le support aérien parce que tout simplement, on n'a pas le droit d'être ici. On n'a pas eu l'autorisation de l'ordre officiel pour venir ici et du coup, c'est un peu la merde. On va... Franchement, pas mal. Pas mal du tout. Je dois avouer que je m'y attendais pas sur le coup. C'est gros quand même comme easter egg. Hein. C'est vraiment... c'est sympathique. C'est sympathique. Donc, Little Big Planet, hein, pour ceux qui n'auraient pas capté. Autre licence exclusive à Sony. Et j'avoue, là, je m'attendais pas à ce petit easter egg. Pas mal du tout. Alors, on va continuer notre avancée. Patience, Marquis. Ouais. Bah oui, patience, hein. Sinon tu vas te prendre un coup, ok. Lui, il va aller attaquer les licans direct, quoi. Enfin, les loups-garous, si vous préférez. Wow. Ça passe quoi, là? On a combien? Ouais, ça va. Come on, I'll cover our bases. Yes, sir. Je crois qu'ils vont mourir. Je suis pas sûr. Vous allez vous regarder pendant 10 ans. Faut que je fasse quelque chose là. Ah, merci. Genre, ils se sont regardés pendant 10 ans, tu sais. Oh shit! What? Non! Ah, ils m'ont vu du coup. Mais comment ils m'ont vu? Ah, ouais, d'accord. Tiens, bouffe. Hop, je sais pas comment ils m'ont vu, c'était un peu n'importe quoi. Oh, il m'a traité de fils de pute. L'enfoiré. Bon bah écoutez. Oh putain. Ouh là là. J'aimerais bien boire un petit coup de Blackwater en fait pour voir ce que ça fait. Mais pour ça faut que je meure et j'ai pas trop envie de mourir. Même si j'avoue que là je fais nimp, je suis même pas à couvert. Tiens, meurs. Putain, mais il veut pas tirer des fois, c'est bizarre. Ah, mais c'est Perceval! C'est pour ça que je veux pas tirer. Je crois que c'est Perceval en fait. Bah écoutez, on va voir. On va continuer. J'aimerais bien fouiller vite fait. Je sais que c'est pas forcément un moment pour fouiller, mais. Ici par exemple. Je peux pas y aller? Non. Je ne peux pas. Bah écoutez, on va partir. Oulala. Je peux le faire. Wow. What? J'ai pas compris en fait là, fallait que j'appuie sur rond ou... Attends, mais notre jambe là, elle va pas bien là. We encountered some resistance. The rebels are better armed than we expected. There's markings. Look familiar.
C'est un de nous. Bah oui, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Le fusil de snipe, c'était le fusil de Nicolas. Ah oui, d'accord, ok, je commence à comprendre. Mon Dieu, there is enough firepower here for a small army. Some of this ordnance was manufactured for the Order. Igraine even found an arc gun in here. I was unaware that we had lost some of our inventory. We haven't. Here, give me a hand with this one. See what's in there. Donc là, ils se questionnent sur le fait que ils ont pas perdu d'armes et pourtant les ennemis ont leurs armes quoi. What did you find? Essex M86 thermite rifle. They saw their first field action a few weeks ago. Ah ouais, d'accord. Donc à mon avis, je pense soit c'est Nicolas qui nous la met à l'envers, soit c'est comment? Je sais pas. This one hasn't been assigned yet. How did the rebels get their hands on these? I'm making it my business to find out. Begging your pardon, sir, you need it upstairs. That's our cue. Et puis la fille, elle est où? Ah bah elle est là. I believe Mademoiselle requires our attention. Igraine, we're in position. About time. Move out. What took you all so long? Ok. On a combien? Ouais, ça va, on a le temps encore un petit peu. On va essayer notre nouvelle arme. Wow. Ça pète là. Alors, R2. Ok. Alors attendez, on va le faire sur le sol parce que je crois que ça a un effet bien stylé sur le sol. Ouais, en fait c'est ça quoi. Je tire des trucs et ça les crame après. Plutôt pas mal. Ah, stylé. Mais ça les tue pas. Pas stylé. C'est bon là. Ok. Je vais essayer de me concentrer. C'est le bordel. Ok. Ah si, ça se détruit un petit peu quand même. Il y a un minimum. Comment ça? Putain, il y en a encore. Wow. Pas mal. What? Inspecteur, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'est fait attaquer le con. Il est vraiment bête. Mais non, pas ça. À chaque fois, je me gourde de boutons. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. Je pense pas. En fait, je vois pas d'ennemis, mais il y en a un qui tire de là-haut là. Ah, faut le prendre, d'accord. Bah attends, je vais fouiller un petit peu. Ouais, j'arrive. T'affole pas, mec. Je fouille juste un peu. Le sang est super bien fait sur les vêtements. Bon, allez, c'est parti. Take his arms. Gently, monsieur. Ok. Mon avis, il va falloir couvrir en même temps. Ok. Alors ça, c'est le genre de séquence, désolé, je parle vraiment pas beaucoup, mais je suis un peu happé dans ce jeu. Je suis pas très bien cadré en fait. Je suis un peu happé dans ce jeu et wow, ça c'est mauvais. Ah, c'est parce que genre je regarde la caméra 2 secondes et on meurt quoi. D'accord. Pourquoi pas? Je crois que j'ai bien fait de pas me mettre en difficile concrètement. Ok. Allez. On y croit. Ok, donc dès que je vois un mec avec une grenade, là, je cherche même pas à comprendre.
crève. Allez. Yo, le mec avec la grenade. Ah bah non, c'est bon. We're clear. Il n'a pas eu. Move in. Line, go. Ah merde. Ouais, c'est bien ça, ça soigne en fait son truc. C'est bizarre ça. Galahad, find us a way out of here. Working on it. Et pourquoi lui donner à lui? A punctured lung, I think. Another bullet through the stomach. Donne-lui de la Blackwater. À mon avis, la Blackwater, c'est une genre de Graal. Ce serait cool qu'il y ait genre une relation avec ça. Enfin, je sais pas, je vois pas ce que ça peut être en fait. Ouais, ok, c'est bon. J'ai des théories là, mademoiselle. Carte de Londres. Et un petit. Ah, des adresses, d'accord. Ou des personnes. Non, ouais, des endroits, je sais pas trop, c'est bizarre. Ok. C'est peut-être. Rebels within 100 feet of our position. Chut. Tais-toi. Ouais, je pense qu'ici, il y a un autre à fouiller. Donc, à mon avis, la Blackwater. Oh, chut. Il n'y a que nous qui pouvons la boire, je pense. Ah oui. Everyone stand back. Ah bah oui, là. T'es sûr que c'est prudent de rester si près? Allez, on s'en fout. D'accord. Pas mal. Genre, du coup, il a un chargeur qui a popé dans son truc direct ou c'est quoi ce délire? Can we move him? It no longer matters, monsieur. Ah merde. Save your prayers, Lafayette. There is no god to help him. Come on. Let's go. L'inspecteur est mort. Et ce truc-ci, c'est qu'il est mort par notre faute, parce qu'on n'est pas censé être là, quoi. Donc, c'est ça, à mon avis, que ça va être la merde quand on va rentrer dans l'ordre. Enfin, non. Dans le QG, quoi. Ok. C'est pas grave. Regardons un petit peu, il reste combien de temps? Ouais, une petite dizaine de minutes encore, et puis ensuite on s'arrêtera là. C'était quoi ce bruit? Attends, je veux tenter un truc si ça ne gêne pas. Ça, ça pique quand même. J'ai pas envie d'être médisant. Mais ça, ça pique. Mais bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, on a vu les bouteilles, enfin, dans l'autre partie du display, que les bouteilles, ça va, ça se détruit et tout. C'est pas trop horrible. Mais quand même. C'est pas mal cette arme là, j'aime bien. C'est assez original. Putain, il y a du bruit hein, par contre. Hein. Ce que j'aimerais bien essayer, c'est son arme à elle. Elle est où? Elle. Elle a un espèce de. Je sais pas, de truc de fusil arc. Qui a l'air intéressant. On l'a dû utiliser au début, mais pas pour tuer quelqu'un quoi. Enfin, pour tuer un loup-garou, donc bon, c'était pas exactement ça. Mais je pense qu'on l'utilisera plus tard. D'accord, je peux pas récupérer des balles. J'aime bien la musique aussi, j'en ai pas parlé de la musique, mais elle est très. Elle est très sombre, il y a aucun instrument élevé, enfin aigu qui est utilisé. Et pour l'instant, ça rend bien. Ça rend bien. Après, bon, elle est pas non plus génialissime pour l'instant, mais ça va. Ça donne une ambiance. Ok. Je pense qu'on est pas mal là. Est-ce que je peux sauter de l'autre côté? Ce serait cool. Ah bien, ça j'aime bien. Oui, une sorte de mini liberté quand même. Mini hein, mais où on peut aller à droite à gauche vite fait. Et ouais, moi ça me gêne pas que ce soit dirigiste comme ça. Quand il y a ce genre de petits trucs, de petits passages sympathiques.
Par contre là, vous mourrez. Voilà. Enfin en tout cas il n'y en a qu'un qui est mort. Mais... voilà. Allez, on va descendre. Ah il veut pas descendre. Ah oui, ça par contre c'est bête ça. Là tu veux descendre? Ah d'accord, ici il veut bien. Oui. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Oula. Nom de Dieu! Who built this fucking town? Dead ends everywhere! Quite the shortcut, brilliant. Ah là là. J'aime bien Lafayette. Lafayette, monocular. Bah oui, le support aérien en fait. Ouais. We need to press forward now. Hein? De quoi? Spot in the tracks. Je comprends pas ce qu'il dit. Enfin, je comprends, mais je... Grain, Lafayette, I need you to provide cover. Ah d'accord, il veut faire tomber le truc avec Ouais, ok. Je vois le délire. Aïe. C'est moi où je viens de voir un mec avec un casque de chevalier. Il a pas l'air con, lui. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai pété ça, mais j'avais envie. Oula! Ah ouais, mais lui aussi, il a ça. Genre, il a un casque de chevalier, alors ça y est, quoi. Il est surpuissant. Ok, il est mort. On va essayer de se concentrer. Il nous reste, ouais, une petite... ouais, on faut de savoir, hein. Ça passe pas si vite que ça. Faut que j'aille aider Perceval. J'arrive, mon pote. Je vais juste fouiller vite fait. Il a l'air de rien avoir ici. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal là. Ok. Alors, à chaque fois, ils mettent leurs armes dans leur dos. Le jour, on verra comment ils font et comment ça tient. J'aimerais le jeu qui fera ça. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est un petit peu bon. Là, ça va, mais. Mais bon, ça fait un petit peu bizarre quand même. Alors on va prendre des munitions. C'est pratique. Ah. Donc c'est ça qu'il faut que je détruise. Mais attends, c'est à côté quand même là. Non, à mon avis, il faut que j'aille ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des munes. On a des munes. Et c'est tout. Donc on va faire tomber le bâtiment. Enfin, quoique le pont plutôt. Ygraine, c'est ça. Ok, donc maintenant on retient son nom, elle s'appelle Ygraine. Ah ouais. Ok. Genre il a pas peur lui, il reste là. C'est bête. Ok. Bon, bah écoute... c'est ballot. On va essayer de... on va sauter, hein. Ah ouais, mais Assassin's Creed. C'est tellement ça. Il commence à faire jour ou c'est quoi le délire, là? J'ai l'impression. C'est plutôt pas mal, ça, si le temps évolue au fur et à mesure de la mission. Ok. Je sais pas qui a parlé, je pense que c'était le support aérien qu'on a toujours pas vu. Là encore une fois, comment je lis le titre là? Morning Post, ok, mais parce qu'on connaît, mais si on ne connaissait pas, bon. C'est un peu, je sais pas. Je suis sûr que de base, c'était pas censé être comme ça, genre, il n'y avait pas les barres noires et du coup on voyait tout. Et c'est au bout de je sais pas combien de temps de développement, ils se sont dit, non mais en fait ça marche pas, on va mettre les barres noires. Quoi. Parce que sinon le jeu il tourne pas. Parce que ça peut être un choix artistique de mettre des bandes noires comme ça, mais c'est surtout un choix technique. Hein. Je veux dire, un choix artistique, au pire, tu fais des petites bandes noires, mais tu fais pas du 16/9 en mode... je sais pas, en mode... en mode caca, quoi. Après, ça donne un style, encore une fois, ça donne un style et ça me gêne pas. Pas du tout, même franchement, je me suis totalement habitué maintenant. Mais quand même, c'est...
pense que ça aurait pu être mieux sans, mon avis. Mais bon, je pense que d'un point de vue technique, c'était pas forcément possible. En tout cas, s'ils avaient envie de rendre le jeu aussi beau qu'ils l'ont rendu. Donc voilà, alors là, à mon avis... Ah non, je vais m'attendre à une petite séquence lockpick. Qu'est-ce qui se passe? Hey, where's your commanding officer? Over there. Come on. Sergeant. Sir, what are Majesty's knights? Why haven't you secured the perimeter? We heard things up there. Ah, merde. Surface stay back. Bugger safety. Ouais, à mon avis, il y a les licornes là. Do you hear that? Where are the rest of the rebels? Exactly. It's dead silent. Something's not right. Galahad, did you? I saw it. Saw what? Half-breeds. They're converging from the hospital. We need to disperse them. Quickly. Call it in. Sentinel 5, this is Galahad. Do you copy? Sir Galahad, this is Sentinel 5. On standby. Sentinel 5, requesting an immediate sonar payload drop. Confirming Gorton payload deployment. Requesting visual beacon for target location. Damn it. Who has a transmitter? Here, monsieur. Use my communicator. Well, the lad's useful after all. Well. Locking on beacon. Releasing anchor. Gorton deployment in 5, 4, huh? 3. Incoming! All devices off! Close. That's our window. Go! Find out where these bloody things are coming from. I'll cover the rear! Monsieur! You will need this. Ah, c'est be bien ça, my friends. Always, Marky. Ah ouais, t'es que la meuf dans le noir. Let's hope it works. C'était une bombe IEM en fait. Et donc à cette époque-là, il y a des bombes IEM, ok. Pause. Ça a l'air très intéressant la suite, mais nous, je m'étire un petit coup, je suis désolé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, ça voilà, j'ai fait 3 parties de Let's Play à la suite. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je continuerai demain. Vous devrez avoir tout à... De la suite, je pense, assez rapidement. Vous devrez pas trop attendre longtemps, je pense, pour faire ce jeu en ma compagnie. Donc, je vous remercie pour regarder cette vidéo. Je vous l'ai pas dit, mais comme c'est la PS4 tourne, il y a du bruit avec le micro, que je viens de toucher d'ailleurs, ça a dû faire du bruit. Il y a sûrement du bruit, du coup, dans les cinématiques, comme il n'y a pas souvent de la musique et que c'est souvent assez calme. Vous entendez peut-être le truc, j'essaierai d'arranger, mais bon, je suis désolé si jamais c'est le cas. Et écoutez, sur ce, nous on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos commentées et pour la suite de ce Let's Play sur The Order 1886. Donc sur ce, merci à tous et puis à la prochaine. Allez, salut !